Attendez, il vous plaît. Parfait. Merci. Ça fait combien? 18 marques. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coups de feu. Et c'était pas loin. C'était par là. Si on allait voir. Ouais. Non, reste là. Il faut voir ce que c'est. Appelez la police. Oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Harry. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Que s'est-il passé? 3 coups. Il venait de la maison. Il s'est fait descendre par un type qui était de l'autre côté. Quelqu'un a entendu quelque chose? Oui, 2 messieurs. Le taxi était arrêté environ 50 mètres plus loin quand on a tiré. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous avons entendu les coups de feu et nous avons couru jusqu'ici. L'homme était déjà à terre. Ouais. Mort. Merci. De rien. Qui est cet homme? Alfred Noyox, âgé de 52 ans. Il habite la maison? Non. Je viens de voir le concierge, il ignore qui c'est. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Tiens, voilà ses papiers. Carte d'identité, une note de restaurant et un peu de fric, 800 marques. Et ça, ce sont probablement ses clés. D'accord, passe-moi le trousseau. Oui. Mm-hmm. J'ai bien regardé le cadavre, parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Seulement, le bonhomme, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, il venait de chez vous. Oui. Vous avez entendu les coups de feu? Et peu avant l'ascenseur? Et aussi la porte que j'ai entendue. J'habite là, dans le sous-sol, c'est le logement du concierge. Regardez bien ce trousseau, le connaissez-vous? Ah oui. C'est celui qu'on utilise au premier, c'est le même genre de clé pour tout le monde. Alors, il ne reste plus qu'à trouver la porte correspondante, vous venez? Ah oui, bien sûr. Merci. Après toi. Oh, gentil. Je crois que c'est celui-là. Mais il n'y a pas de plaque? Qui habite ici? Un certain monsieur Tass. Ce n'est qu'un pied-à-terre et il est rarement là. Oh. Vous voulez bien nous attendre? Entendu. C'est pas embêté là-dedans. Dans la cuisine, il y a une bouteille de champ et de verre. Dans l'un, il y a plein de rouge à lèvres. Un proxénète, il n'y a pas de doute. L'homme qui gît sur la route est très certainement venu dans cette piole avec une fille. Oui, il faudrait trouver la fille, ensuite l'assassin, et le tour sera joué. Et alors? Rien. Vili, j'ai besoin de toutes les empreintes que vous trouverez ici. Vous avez le numéro du propriétaire de l'appartement? Eh oui, dans une poche. Tenez, voilà. Et où ça? Là, il est là, Tass. Quel genre d'homme c'est, ce Tass? C'est la grande classe. Ça veut dire quoi, ça, la grande classe? La haute société. En tout cas, j'ai eu cette impression. Il conduit une grosse bagnole, et puis aussi, il a le geste large. Oui, il arrose. Oui. Oui, bonsoir. Je suis le principal d'Eric, brigade criminelle. Monsieur Tass, s'il vous plaît. Brigade criminelle? Vous faites encore une blague? Non, ça n'a rien d'une blague, croyez-moi. Bon, un moment. Bertram, tu veux venir? Téléphone. Qui appelle au milieu de la nuit? Brigade criminelle. Oh, non. Oui, Tass. J'ai bien entendu ce qu'on m'a dit. Brigade criminelle? C'est bien ce qu'on vous a dit. Connaîtriez-vous Monsieur Noyox, par hasard? Oui, c'est un de mes amis. Ah. Monsieur Noyox s'est fait descendre en pleine rue il y a 1 heure à peine. Vous entendez? Oui, très bien, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a assassiné? Oui, il est mort. Il s'est fait assassiner en bas de l'appartement que vous possédez. Mais qui l'a assassiné?
Ça, nous ne le savons pas encore. Noyox était chez vous, pas seul, avec quelqu'un, une fille sans doute. Il y avait une bouteille de champagne et on avait occupé le lit. Je suppose que vous voudriez venir me voir. Oui. Donnez-moi votre adresse, je vous prie. Oui, c'est entendu, je comprends. Oui, oui, bien. D'accord, merci. Vous nous attendez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tass, monsieur l'inspecteur. Enchanté. Cette histoire m'a retourné. C'est longtemps après votre appel que j'ai pu enfin comprendre ce qu'il y avait. Noyox mort. Oui, il est mort, oui. Pas ici, monsieur. Ces messieurs de la police. Ma belle-fille, Martina. Mes hommages. Bonsoir, monsieur. Je viens de lui dire que Noyox est mort. Elle aussi le connaissait. Ah. Vous buvez quelque chose? Non, non, merci. Ah, mais vous êtes en service, c'est pour ça. On évite la corruption. Eh oui, c'est bien ça. Venez. Merci. Oui, Noyox était un excellent ami. À un point tel que je n'ai pas hésité à mettre l'appartement à sa disposition quand il me l'a demandé. C'est un service qu'il m'était impossible de lui refuser. Pouvez-vous nous dire qui il était? Bien entendu. Il faut d'abord serrer les choses. Noyox achète et vend des produits industriels. C'est un commerçant. J'ai pu apprendre à le connaître au club industriel. C'est un homme très sympathique. Marié, sans doute? Oh, vous savez, Noyox était un de ces hommes mariés de longue date, mais pour qui cela importait peu. Oui, je saisis. Oui. Oh, je connaissais sa femme aussi. Je dois avouer que plusieurs fois, je l'ai vu en compagnie de jeunes filles. C'était une de ses passions. Même parfois, il m'a demandé les clés de chez moi. Aujourd'hui encore? Oui, c'est vrai, cet après-midi. C'est son chauffeur qui est venu me voir et il a pris les clés de mon appartement. Vous connaissez la dame avec laquelle il a passé l'après-midi? Non. Mais cette dame devait être quelqu'un de fort correct. Il n'était pas du genre maniaque. Quant à son identité, je n'en ai aucune idée. Il ne me parlait pas de ses relations. Vous avez parlé du chauffeur de Noyox? Oui, un nommé Schuller. Ce garçon peut en savoir plus? Peut-être. Qui sait? Schuller, je crois, est depuis longtemps chez lui. C'est une sorte de majordome. Demandez-lui. Seulement, je vous parie qu'il ne sait rien. Noyox a pris sa voiture en personne. C'est ce qu'il faisait en pareil cas. Mmh. Quelle fin assez... assez sordide que ce bon Noyox a trouvé là. Je dérange? Non, pas du tout. Entre. Tu peux entrer. Tu es encore sous? Non. Des agents de la brigade criminelle. Ils viennent de nous annoncer que Noyox s'est fait descendre. Fais-moi un whisky. Noyox. Sans eau, surtout. Il a été assassiné. Voilà autre chose. Qui a eu le courage? C'est sa femme. Quelle pensée terrible. Pourquoi sa femme? Je n'en sais rien. Ça m'est venu comme ça. C'est idiot. Je connaissais ses goûts. Et quels étaient ses goûts? Merci. Les goûts de Noyox. Les jeunes filles. Ça n'a pas le moindre intérêt. Si, ça a beaucoup d'intérêt. Je lui ai prêté les clés de l'appartement de la Malvinstrasse aujourd'hui. Il voulait les avoir. Ah. Tout devient clair. La piole de la Malvinstrasse lui servait de bordel. Tu l'avais signalé? Oui, je leur en avais parlé. Ainsi que des goûts de notre ami. Ce furent les objets de la discussion. Où a-t-on tué notre ami? Devant la maison, quand il est sorti. Qui l'a descendu? On ne le sait pas. Des témoins? Aucun. Il avait pourtant emmené une petite fille, sans doute. Elle est quelque part. Nous n'avons encore trouvé personne. Elle a pu s'enfuir après le choc. Après le choc? Je réalise avec aisance le choc que ça peut produire. Et pas de traces de la fille? Pas pour l'instant, mais on va trouver.
L'assassin sera découvert, j'espère. Bien sûr, nous l'espérons tous. Bien, nous devons vous laisser, navrés de vous avoir ennuyé au milieu de la nuit. Bonsoir. Cette petite et ce garçon ne sont pas vos enfants? Non, j'ai épousé leur mère quand ils étaient encore petits tous les deux. Et votre femme? Elle est morte il y a 4 ans. Oh. Ah oui. Vous laissez l'appartement de la Malvinstrasse libre de toute occupation? Bien sûr. Ce logement, à quoi est-ce qu'il vous sert? Oh, rentabilité, c'est tout. De la visite à une heure pareille? Ma belle-mère, c'est monsieur Sanalet. Nous t'avons dérangé. Tu veux me présenter à ces messieurs? Ils sont de la brigade criminelle. Inspecteur Klein, je m'appelle Derek. Que vient faire la brigade criminelle chez nous? New York a été assassiné. Dans la Malvinstrasse. New York? Dans la Malvinstrasse? Emmène ta grand-mère dans sa chambre tout de suite. Je ne veux pas aller dans ma chambre maintenant. Que s'est-il passé, Malvinstrasse? Il a prêté l'appartement à New York, à un ami très cher qui travaille avec lui. Je demande ce qui est arrivé à l'appartement. Maman! J'ai compris. Emmène-moi dans ma chambre, Walter. Très énergique, cette dame. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Elle est très gentille. Est-ce que la famille de New York a été avertie? Non, non, nous allons le faire. Sale fin de journée pour certains d'entre nous. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, monsieur. Madame New York, s'il vous plaît. Je crois que madame est déjà allée se coucher. Veuillez aller la chercher. Vous avez sans doute une raison à nous donner. Oui. Monsieur New York est mort. Il a été tué dans la rue. Vous en êtes sûr? Vous voulez que je répète? Bon, veuillez entrer. Son temps. Laisse donc un peu de temps à une femme qui vient d'apprendre que son mari est mort. Oui, ce silence. Et on attend depuis 10 minutes. Mon mari est mort. Oui. En plein milieu de la rue, on m'a dit. Désolé d'être porteur d'une mauvaise nouvelle à une heure aussi tardive. Messieurs. Où a-t-on assassiné mon mari? Devant une maison de la Marienstrasse. Dans cette maison, il y a un appartement dont votre mari avait les clés. De quel appartement s'agit-il? Il appartient à monsieur Tass. Tass. Vous le connaissez? Je connais ce nom, bien sûr. C'est un ami de mon mari. Monsieur Tass, si je comprends bien, a donné ses clés à mon mari. Oui, oui, oui. Et mon mari a dû se servir de ses clés. Mais oui, il a occupé les lieux. Cela s'est souvent produit? Oui, apparemment. Et cet appartement, vous l'avez fouillé? C'est exact, oui. Vous avez trouvé quelque chose? Des empreintes nous laissent à penser que votre mari ne se rendait pas seul à l'appartement. Et pourquoi? Parce que... Et c'est devant la maison qu'on l'a abattu? Oui. 3 coups de feu en pleine poitrine qui venaient d'une des maisons se trouvant en face. Et la fille? Disparue. Le tir ne concernait que votre mari. Cela pourrait nous aider de savoir qui est cette fille. Vous la connaissez? Excusez ma question. Au contraire. Je savais que mon mari me trompait à tous les coins de rue.
Jamais il n'a pu s'empêcher de ramasser une femme qui passait à sa portée. Ça m'était égal. Les petites de son bureau lui passaient entre les bras. J'étais toujours au courant, mais ne pensais pas que j'étais constamment à l'affût pour prendre cet homme en flagrant délit et savoir où cela se passait. Dans l'appartement de Tass, j'aurais dû m'en douter. Tass était complice. Ce n'est rien de surprenant. Les hommes s'entendent entre eux quand il s'agit de tromper. L'endroit lui a été fatal. Mon mari s'est fait assassiner au cours d'une partie de jambes en l'air avec une pute de rencontre. Assassiné au milieu de la rue. Seigneur Dieu. Quelle triste fin. J'en conclus que vous ne connaissez pas la personne avec qui votre mari était cette nuit. Non. Où étiez-vous aux environs de 10 heures du soir? Où est-ce que j'étais? Aux environs de 10 heures? Oui. Je m'attendais à cette question. Je ne m'étonne pas de vous. Monsieur Wenck. Oui. Venez par ici. Ces messieurs veulent savoir où je me trouvais cette nuit vers 22 heures. Dites-leur donc. Madame se trouvait chez elle. J'ai servi le repas très tôt. Parce que mon mari devait dîner avec moi. Je me suis décidée à manger sans lui quand j'ai réalisé qu'il n'était plus nécessaire de l'attendre toute la nuit. On peut se rendre compte que cette femme, c'est de la glace. Un véritable iceberg. Que penses-tu de son alibi ? Il me paraît assez léger. Moi aussi. Que fait-on maintenant? J'aimerais discuter avec le chauffeur. Stéphane, tu sais qu'il est une heure. Voyons, les braves n'ont pas d'heure. Eh bon, allez, en voiture. Très bien. Pardon de vous déranger, police criminelle. Je vous en prie, c'est à propos de New York. Pourquoi dites-vous ça? Mais il devait venir me ramener la voiture quand il aurait fini. Il y a des heures que je l'attends. Voyons, pourquoi est-ce que vous vous paniquez de la sorte? Mais racontez-moi d'abord ce qu'il y a. Mais restez pas là. Mais c'est pas vrai, votre histoire. C'est impossible. Vous ne savez pas qui elle est? Non, je ne sais pas. Le patron ne me racontait pas tout ce qu'il faisait. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait comme il faisait toujours. Il a dit, Schuller, ce soir, je prends la voiture. Vous avez vu Madame Noyux? Oui, nous l'avons vue. Et elle a réagi comment? Avec sang-froid. Donc vous ignorez avec quelle femme Noyux, hier, devait passer la nuit. Êtes-vous sûr de ne pas le savoir? Monsieur Schuller, vous savez que vous êtes un de nos témoins. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Et vous ne savez toujours pas qui cette femme pouvait être? Je suis pas au courant, New York ne me racontait rien. Dans mon métier, il y a intérêt à se boucher les yeux. Moins on en sait, mieux ça vaut. Je sais pas grand-chose, seulement ça je le sais. Ça vous contente? Oui, ça nous contente. Alors, un petit moment, je vous pose une question, Schuller. Connaissez-vous Tass? Oui, lui et monsieur étaient potes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Tass? Oh, encore un drôle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore un drôle? Un drôle de mec. Je suppose que vous voulez dire cavaleur. Oui, sauf qu'il est bien plus malin. Lui, il a la petite à domicile. À domicile, vous dites? Vous parlez de Martina? Elle serait avec Tass? C'est bien ce que vous pensez? J'ai pas dit ça. En fait, je suis pas un mouchard. Je fais le boulot qu'on me demande de faire, c'est tout. On va me coller à la rue parce que mon patron est mort et mon boulot est en jeu. Je veux tout de suite savoir si vous parlez de la fille qui se trouve chez Tass. Vous parlez de Martina? Oui. Bon, entendu, on arrive tout de suite. C'est un appel d'un des propriétaires. Il dit qu'il n'a appris que ce matin ce qu'il y a eu. Et alors? Tu devrais t'asseoir. Il a vu New York, c'est la petite Stéphane. Et il dit qu'il peut faire une description. Et alors? Je ne crois pas que ça puisse être... Ce monsieur fait des portraits. Répète-moi ça. Il fait des portraits. Il nous attend. Il a tout mis sur le papier. Dites-moi que je rêve. J'ai loupé le meurtre. J'étais pas ici. J'ai tout raté.
Vraiment pas de chance. Dieu soit loué, vous avez retenu ce qui m'intéresse. Par là. Merci. Je me suis trouvé avec eux dans l'ascenseur. Un homme et une jeune fille. Ils sortaient de chez Tass quand je sortais de chez moi. Ils marchaient devant moi, disons, à moins de 40 ou 50 centimètres. Quand je vois quelqu'un, ça devient presque de l'instinct, une sorte de réflexe. Je le peins, en moi. Et après, je ne l'oublie pas. Tenez, regardez. C'est étonnant. On dirait une vraie photographie. Oui, c'est mieux. Dites donc, on pourrait avoir ce portrait. C'est un cadeau. Il faut le mettre au muséum de la police comme preuve matérielle de votre histoire. Vous me promettez de le faire? Est-ce qu'en plus, vous connaîtriez Tass? Oui, très bien. Non seulement parce qu'il habite ici, mais j'ai travaillé pour lui. J'ai fait plusieurs toiles. Vous avez peint des toiles d'une jeune personne? Oui, une jeune personne, une belle personne. Et sauriez-vous par hasard le nom de cette personne? Est-ce que ce serait Martina? Oui. Vous connaissez cette petite? Oui, oui, oui. Je crois qu'il s'agit de sa belle-fille. Non. Je pense que j'ai fait le portrait d'une de ses maîtresses. Si je n'avais pas remarqué ça au premier coup d'œil, je ne serais pas peintre. Non, je sais voir ce qui se passe entre les gens. En conséquence, vous pouvez me dire peut-être qui est Tass? Oh, c'est un monsieur qui a un sang-froid étonnant. Un monsieur qui ne laisse rien transpirer de ce qu'il ressent. Quelqu'un qui n'a peur de rien, pas même du sang. Un monsieur sans morale. Je crois que vous avez le doigt dessus. Nous voudrions parler de nouveau à Madame New York. Madame New York. Madame New York ne se sent pas très bien. Ce que je comprends parfaitement, croyez-le. J'ai failli appeler un docteur. L'avez-vous fait? Non. Non. Elle ne voulait pas. Elle a dit qu'elle devait tenir le coup. Bonjour. Bonjour, Madame Ayers. Bonjour, Madame. Ne bougez pas, Venk. Que puis-je faire pour vous? Nous savons qui est la fille. Nous avons obtenu son portrait. Connaissez-vous cette jeune fille? Oui. Oui, c'est Anita Schuller. La fille de notre... du chauffeur de mon mari. En êtes-vous sûre? Écoutez, je la connais. Nous la connaissions depuis des années. C'est chez moi que cette fille a grandi. Elle a fait une carrière. Devenir l'amie de mon mari. D'où tenez-vous ce portrait? Dans la maison où l'appartement se trouve, nous avons vu un peintre qui habite là aussi et qui, hier soir, a aperçu votre époux avec Anita. Ils sont montés ensemble dans l'ascenseur. C'est lui qui nous a donné ce portrait. La récompense des efforts que vous faites. Juste récompense, dirais-je. C'est donc aux côtés de cette personne que votre mari a été tué. Je pense que cette petite a vu celui qui l'a assassiné. Vous devriez donc mettre la main sur lui. Monsieur Schuller se trouve où en ce moment? Au bureau de mon mari. Vous y trouverez peut-être sa fille. Mon mari l'avait, disons, prise comme intermittente. Je dois poser une question un peu personnelle, Madame New York. Saviez-vous que Anita Schuller était la maîtresse de Monsieur New York? Votre question est stupide. Toutes ses secrétaires sont passées dans son lit. Entendu. Seulement, vous ne répondez pas à ma question. Mais ça n'a aucune importance que je dise oui ou non. Oui, non, ça, ce n'est pas une consolation. Je vous prierai de bien vouloir nous laisser tranquilles. Monsieur Venk, soyez pas ridicule. J'ai besoin de le savoir, madame. Je ne savais rien du tout. Seulement, voyez-vous, rien ne m'étonne. Bonjour. 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 Mademoiselle Schuller, s'il vous plaît. Mademoiselle Schuller. La brigade criminelle. Excusez-moi, auriez-vous pris un coup de téléphone pour Mademoiselle Schuller depuis une demi-heure? Oui, elle est encore en ligne. Avec qui parle-t-elle? Avec Madame New York. Ah, c'est fini. Elle vient de raccrocher. Où est-ce qu'on peut trouver Mademoiselle Schuller? Au bureau, à droite. Vous êtes gentille. Mademoiselle Schuller? Oui? Vous venez d'avoir Madame New York au téléphone, hein? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous voulait?
me dire que deux messieurs de la police pouvaient venir me voir. Vous êtes des policiers? Oui. Étiez-vous hier avec votre patron à la Malvinstrasse? Oui. Oui, oui. Je vois ce que vous voulez. Mais je n'ai rien pu faire. J'ai entendu tirer. Je n'ai pas réalisé. On a encore tiré. Un coup encore. Alors, j'ai eu la frousse. Je l'ai vu par terre. J'ai essayé de lui venir en aide. Il a crié. Il faut t'enfuir, va-t'en. Alors, c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu quoi? Qui avez-vous vu? Rien, personne, je vous jure. Et ensuite, vous avez fui. Où êtes-vous allé? Vous ne vous êtes pas retourné? Non, parce que j'avais la trouille. Je me suis enfuie et puis j'ai foncé sans regarder. Et je n'ai plus pensé qu'à ne plus m'arrêter. Comment êtes-vous rentré chez vous? J'ai pris un taxi, je suis revenue. Et Monsieur Noyox, vous ne vous en êtes plus occupé? J'ai demandé au chauffeur de taxi de suivre la Malvinstrasse, mais c'était trop tard. Il y avait déjà des barrages. Vous saviez que Noyox était mort? Non. C'est ce matin que j'ai appris sa mort. J'insiste encore une fois. Que voulait Madame Noyox? Ben, elle... Elle a dit... que la police venait de sortir de chez elle et... et qu'elle savait ce qu'il y avait entre moi et son mari. Bon, après? Mais après quoi? Elle voulait en savoir davantage, je suppose, non? Oui, elle a demandé si j'avais aperçu l'homme qui a tiré sur son mari. J'ai dit que non. C'est exact. Je sais pas qui c'était. Qu'est-ce qu'on dit, toi? J'allais apprendre que tu étais la maîtresse du patron. Voyons, chouleur! Je viens de l'entendre dire. En arrivant à la baraque, Madame Noyox me l'a raconté. Tout d'abord, je n'arrivais pas à le croire. Sale putain! Tu devais avoir honte de toi! Et qu'est-ce que je pouvais faire? Tous les soirs, il demandait le courrier et il disait: je vais vous raccompagner. Que ça lui ferait un plaisir immense. Oh, en fin de compte, j'ai eu pitié de lui. J'ai fini par lui dire, ok, où allons-nous? Il m'a dit qu'on verrait une fois en route. Eh oui, oui. Et voilà. C'était un monsieur qui savait attirer la pitié. As-tu aperçu quelqu'un? Est-ce que tu sais qui a pu le tuer? Je viens de dire que je n'ai rien remarqué. De la lumière en partant dans la nuit. Mais comment savez-vous ça? Vous étiez présent? Moi? Venez avec moi au commissariat. Pourquoi faire? Parce que votre fille est le seul témoin oculaire. Maintenant. Lily, oui? Du café pour cette jeune femme. Bien. Et autre chose, si vous voulez. Alors? Café, merci. Bien. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous avez une cigarette? Eh oui, servez-vous. Harry, les coups de feu ont pu venir d'une distance d'environ, disons, 10 à 12 mètres. Je suppose que Anita a dû voir qui a tiré. N'oublie pas qu'il ne faisait pas très clair. Alors, ça, c'est son père qui lui a mis dans le crâne. Hein? Non, non. Elle connaît l'assassin. Pourquoi elle ne parle pas dans ce cas? Pourquoi? Ça, je crois que c'est une question fondamentale pour son père et pour elle. Alors, Madame Noyox? Non. Tu connais bien son alibi. Celui fourni par le domestique, pour lui également, c'est une question de survie. Je ne vois pour l'instant aucun autre assassin et aucun autre motif. Dites-moi, a-t-on essayé de vous ficher dehors? Qui devrait me ficher dehors? Des tas de gens, peut-être. Madame Noyox, pour commencer. Personne ne me fiche dehors. Alors rentrez chez vous, nous aurons encore la possibilité de reparler de tout ça. Ok, ok, ok. Merci pour le café. Mais de rien. Et pour la cigarette. Un de ces jours. Ah,
Tiens, tiens, Derrick. Bonjour, Monsieur Tass. Avez-vous rencontré Madame Noyox? Oui. Tenez, faisons quelques pas ensemble. Volontiers. Bonjour, Monsieur Vink. Merci, Vink. On fait une balade dans le jardin. C'était un bien beau jardin qu'il s'était fait installer. Oui. Vous saviez qu'il plantait lui-même ses roses? Ah non, j'ignorais tout à fait ce détail. Vous savez, tout le monde s'en prend à ce pauvre Noyox. Il n'a pas mérité ça. C'était un garçon très séduisant, d'une extrême sensibilité, et dont la compagnie était recherchée par les femmes du monde entier. Oui, les roses et les jeunes filles. Pour lui, cela allait de pair. Comprenez-vous ce genre d'association? Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Oh, voyez-vous, les condoléances ne sont pas mon style. Seulement, Noyox était mon ami. Et en plus, j'ai été mêlé à cette histoire de très près, alors je dois m'en occuper. Oui, c'est mon appartement dont s'est servi Noyox. C'est pas de gaieté de cœur que je suis venu la voir. Oui, et ensuite? Cette femme est extraordinaire. Oh oui. Aucun mot contre moi, aucune allusion à nos relations, j'aurais peut-être eu un sentiment de culpabilité. Une attitude étonnante, je le reconnais. Vous veniez vous aussi voir Madame Noyox? Non, je avez-vous du nouveau? Oh non, nous pataugeons un peu, alors. Mais je vous souhaite de trouver vite. Je ne voudrais en aucun cas vous déranger dans votre enquête. Je pense surtout que vous faites un métier difficile. Je le pense aussi. Allez, bonne chance. Vous êtes trop gentil. Pourquoi on ne dînerait pas ensemble? Un de ces jours, si je meurs de faim, je vous appelle. Qu'est-ce que Tass me voulait? Il était venu pour s'excuser. Pour cette histoire qui est difficile à pardonner. Il a admis, bien entendu. Parlons d'autre chose. Oui, entendu, mais il est tellement sûr de lui. Oui, c'est exact. Voulez-vous me dire ce que vous me voulez? Je n'ai pas toujours la force que l'on attend de moi, vous savez. Qu'attendait également Monsieur Tass? Je ne suis pas aussi forte qu'on le dit. Ah, l'autopsie peut nous révéler quelque chose. Stéphane, Monsieur Schuller n'est plus chez Noyox. Plus chez lui? Oui, Tass l'a engagé. Ah tiens, et la petite Anita Schuller? On dit qu'elle est malade. Intéressant, non? Je vous écoute. Monsieur Derrick. Bonjour. Est-ce que votre proposition tient toujours? On peut manger ensemble si vous le désirez. Oh, bien sûr, volontiers. Je ne fais que des propositions sérieuses, mon cher. Demain, ça gaze? Monsieur Tass. Cher Derrick, heureux de vous voir ici dîner avec moi. C'est avec le plus grand plaisir. Et votre commissariat est à peine à deux pas seulement. Oui, c'est une chance. Est-ce que ce coin vous va? Naturellement, merci. C'est une des tables que je préfère. Habitué, hein? Vous déjeunez souvent ici? Oh, quand j'ai le temps, on me retient toujours la même table et j'adore ça. Cela vous convient? Oui, j'aime beaucoup aussi. Vous m'en voyez ravi, cher. Je peux encore faire une proposition? Oh, bien sûr. Je vous conseille les spécialités. Ils ont d'excellents homards, le caviar. Ah, le caviar, j'adore. Vous avez un excellent goût. Alors, je ne vous avais pas menti. Ah non, c'est parfait en tout. Et le vin? Ah oui, lui aussi est étonnant. Dites-moi, Schuller est chez vous maintenant? Schuller, oui. C'est un de nos chauffeurs. Il n'avait plus d'emploi et je l'ai pris. Je crois que le rôle important est tenu par sa fille. Allez-vous l'engager à son tour? Si nous en avons l'utilité. Peut-être bien. Mes magasins ont besoin de gens. Elle aurait un travail pas trop fatigant. Alors, vous pensez l'engager? Oui. Vous êtes contre cette idée? Je trouve ça très, très généreux. C'est un péché mignon auquel je tiens. J'ai beaucoup de respect pour le travail des policiers. Ils m'étonnent à chaque fois. M'étonnent et m'intéressent surtout. Oui, cela se conçoit. C'est par sa psychologie qu'il m'intéresse beaucoup. Oui, c'est le côté intéressant. Passionnant. Voyons, pourquoi Noyox était-il constamment à la recherche de...
Oui. Que recherchait-il sans arrêt? Il voulait en fin de compte satisfaire un désir qui était tout simplement physique. Il s'est fait abattre pour ça. On l'a tué à cause de ses sentiments pour une jeune fille. Pourquoi les forcenés ont-ils la fâcheuse tendance à se débarrasser de leurs problèmes à coups de revolver? J'adore cette formule, les forcenés. Vous prenez les choses au pied de la lettre, mon cher. J'ignore si votre meurtrier était un forcené. Seulement, je suis sûr que c'était un insensé. Est-ce que Madame Noyox a pu tuer son époux? Vous savez, rien ne m'étonnerait de nos jours. Tout le monde est capable de tuer. Il faut que nous le comprenions et l'admettions. Vous croyez que j'ai tort? Il y a matière à réfléchir. Non, je suppose que Madame Noyox ne l'a pas assassiné. Voilà, je pense qu'il est grand temps pour moi de vous remercier pour cet excellent repas et pour le reste. Je vais repartir à mon bureau. Oui, mais finissez tranquillement votre café. Oui, bien entendu. Vous espériez peut-être plus de notre conversation. Dois-je vous parler en toute franchise? Je vous en prie. J'ai le sentiment que, d'une certaine façon, vous êtes mêlé au meurtre de M. Noyox. Est-ce que vous me soupçonnez d'être le meurtrier? Ah non, je n'ai jamais dit une telle chose. J'ai seulement dit que j'ai l'impression que, de loin ou de près, vous êtes mêlé à cette histoire et rien d'autre. C'est une curieuse impression. Je sais. Comment vous trouvez ça? Très étonnant. Salut! Martina! Bonjour. Ah, vous êtes l'inspecteur de police qui nous avait rendu visite hier. Oui, c'est bien ça, oui. De quoi avez-vous parlé? Nous cherchons toujours l'assassin. Il n'y a pas de piste précise. La police ne résout pas son problème. Elle est dans le noir. Oui, malheureusement pour nous, c'est exact. Je vais me retirer, Monsieur Tass. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, tu es content de toi, j'espère? Bien entendu. Oui. Tu as bien déjeuné? J'ai une impression très nette qui me vient. Écoute, une sensation qui est peut-être fausse. Oui? Non, c'est plausible quand on y songe. Ça n'a rien de stupide. Alors, je ne suis pas parti tout de suite et je les ai vus sortir ensemble, un homme avec une jeune fille. Tu écoutes bien ça, une jeune fille de la taille d'Anita Schuller, aussi élancée qu'elle. À quoi ça mène? Qu'on a pu confondre les deux, le meurtrier s'est gouré. Quand il était devant la maison de la Malvinstrasse, Harry, il attendait M. Tass au lieu de Noyox. Imagine la situation, il était là et il attendait. Le meurtrier attendait, je ne sais pas depuis combien de temps, des heures. Peu à peu, il doit commencer à s'inquiéter. Il est là, il attend, il fixe la porte, il ne peut plus se contenir. Et puis il voit sortir quelqu'un. Hein? Ce qu'il voit, ce ne sont que des ombres. Alors il tire. Il tire et se trompe, tu saisis? Bien entendu, c'est crédible. Réfléchis une seconde, nous avons bien... Oui, nous avons bien été rendre visite à Tass. Laisse-moi revoir la scène. Il y avait la belle-fille et Tass. On a parlé de choses et d'autres. Le frère, à un moment, est entré. Il s'est arrêté comme pétrifié. Nous n'y avons pas prêté attention, mais je me souviens maintenant. Il avait l'air statufié. La seule personne qu'il ne pensait pas voir en rentrant chez lui, c'était son beau-père. L'homme sur lequel il venait de tirer. Je le dérange? Non, pas du tout. Entre. Tu peux entrer. Il titubait. C'est à peine s'il arrivait à marcher. Tu es encore sous. Il était loin d'être sous. Mais il ne savait plus comment se comporter. Oui. Et ensuite, il a dit à sa sœur, fais-moi un whisky. Sans eau, surtout. Attends, de quoi Tass a-t-il parlé pendant le déjeuner? Ah oui, il a dit les forcenés toujours prêts à tirer. Il savait de quoi il parlait. Et te correspond très bien. Et quel est le motif? Bon, il est clair comme de l'eau de roche. Parce qu'il doit haïr Tass, c'est flagrant. Bonjour, monsieur Tass. Tu
qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu parler de vos enfants, si ça ne vous ennuie pas. Je vous ai dit que ce ne sont pas mes enfants. Vous les avez adoptés, c'est pareil. Vous vous entendez bien avec eux, je crois. Je vous répète que ce ne sont pas mes enfants. Pourquoi vous insistez autant que ça? Parce que ça me paraît essentiel. Vous avez tous les renseignements possibles sur nous tous. Qu'avez-vous appris à notre sujet? Que voulez-vous que j'apprenne? Vous me prenez pour un idiot. Non, pas du tout. Alors, je vous parlerai un peu de Martina. Vous préférez ça, peut-être? Si vous voulez, inspecteur. J'ai des rapports particulièrement étroits avec Martina. Parce qu'elle n'est pas ma fille, vous le savez. C'est une petite que j'adore, car elle est libre. On ne la force pas à agir. Aussi libre que nous le sommes, vous et moi. Oui, c'est entendu. Seulement, je sais qu'elle est aussi votre maîtresse. Mon Dieu, mais est-ce que ça a tellement d'importance? Ne tournez pas en rond. Dites-moi le but de cette visite. Vous voulez quoi, au juste? Vous le savez déjà? Non, pas du tout. D'accord. Je vais donc tout vous raconter. Je crois que le meurtrier, ce n'était pas New York ce qu'il visait, mais c'était vous. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, ça paraît impossible. Le restaurant, ça m'a sauté aux yeux en vous voyant partir. Votre idée n'est pas ridicule. Vous avez peut-être raison. Mais qui est le meurtrier? Votre beau-fils, Walter. Il a de bonnes raisons de ne pas tolérer vos relations. C'est impossible. Il sait très bien que Martina fait ce qu'elle veut et que je ne cherchais pas à la séduire. Je sais que je n'aurais pas pu. Parce que cette gosse fait ce qu'elle veut et qu'elle assume tout ce qu'elle fait. Vous permettez? Vous en avez parlé avec Walter? Oui, très souvent. Et pourquoi? Je trouvais ça normal. Un jour, il s'est jeté sur moi fou de colère. Ce n'est pas une raison suffisante pour me tuer. Où est-il? Il est au premier étage avec Martina. Ils sont auprès de leur grand-mère. Elle est souffrante. J'ai fait venir le médecin. Et pourquoi n'y êtes-vous pas? Vous savez, mes relations avec cette vieille dame ont toujours été plutôt tendues. Si vous alliez chercher Walter? Comme vous voulez. Bonjour. Vous voulez me parler? Oui, et je veux vous poser une question. Avez-vous assassiné Noyox? Vous déraisonnez. Oubliez-vous que c'était un ami? Vous plaisantez, j'espère. Oui ou non, j'écoute. Non, bien sûr, c'est absurde. Où vous étiez au moment où M. Noyox s'est fait tuer? J'étais chez nous. J'espère qu'il y a eu un témoin. Il y a un témoin, ma grand-mère. Allez lui demander. Questionnez-la, elle pourra vous répondre. Vous montez la voix? Je crois que nous allons beaucoup trop loin. Qu'est-ce que tu entends par là? Je crois qu'on ne doit pas aller l'ennuyer. Elle va assez bien pour faire une déposition. Car c'est bien ce que vous voulez. Mmh. Ça va vous faire rengainer vos imbécilités. Montez. Sortons de la chambre. Ceci ne nous concerne pas. Ma grand-mère est assez souffrante. Ne la fatiguez pas trop. Bonsoir, Madame Anders. Bonsoir. Êtes-vous en état de répondre? Oui. Je vous écoute. Il s'agit du meurtre qui s'est produit il y a déjà 3 jours. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Oui, certainement. Vous êtes certaine de ne pas avoir oublié cette journée? C'était un mardi. C'est le jour où vous êtes venu nous rendre visite. Nous étions en pleine nuit et vous avez raconté qu'on venait d'assassiner quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est exact. Alors, si vous vous souvenez de cela, où Walter était-il? Tu savais où je me trouvais, grand-mère?
Il a passé la soirée près de moi. Toute la soirée, vous êtes sûr? Je voudrais me lever. Tiens, viens m'aider. Pourquoi veux-tu te lever? Reste tranquille. J'ai peut-être quelque chose à vous signer. Oui, parce que c'est important ce que vous allez dire. C'est pourquoi je le ferai formuler selon les règles et vous le signerai. Alors prenez votre temps. Je vous laisse le loisir de bien réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Posez donc vos questions. Oh, ce n'est pas un jour près, je peux attendre. Merci. Vous êtes gentil. Je ne suis pas bien malade. Il faut m'interroger tout de suite. Interrogez-moi. Ah, vous êtes là. Je vous ai dérangé. Alors, qu'est-ce que la vieille dame vous a raconté de beau? Des tas de choses, et elle vient de tout signer. Elle est étonnante, cette chère vieille dame. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de bon rapport avec elle? Pas très, non. Car elle me prend pour un monstre qui ne cherche qu'à séduire tout ce qui l'entoure. Ah, dites-moi, est-ce qu'il y a longtemps qu'elle est malade? Oh, il y a déjà quelques jours. Et ses rapports avec son petit-fils sont... Oh, ils sont super. Ah, super. Inspecteur, vous l'avez prise au sérieux, cette déposition? Non, pas très au sérieux. Seulement, c'est écrit maintenant et on ne peut rien changer. Je n'ai jamais eu cette intention. Et la mienne? On n'y changera rien. Vous savez que cela ne vous conduira à rien. Tu oublies Anita Schuller, où elle a vu l'assassin, où elle a vu le pistolet qu'il tenait avec lequel il a tiré. Tu supposes qu'elle nous le dira? Elle a le beau rôle, tu sais. On est dans le pétrin. J'ai mon temps. Ah, monsieur Schuller. Monsieur l'inspecteur, comment allez-vous? Très bien, vous avez un nouveau boulot? Oui, je viens d'être engagé. C'est bien ça. Qui vous a engagé? C'est Tass, parce qu'il a besoin d'un chauffeur. Ah. Il sait que j'en suis un bon, qu'on peut aussi me faire confiance. Votre fille est en congé de maladie, hein? Oui. Oui, elle s'est fait porter malade chez Noyox. C'était plus possible, parce que ça n'aurait jamais gazé. Et puis Tass doit l'engager. Elle sera aussi ici? Oui, elle doit commencer aujourd'hui. Elle sera sans doute au courrier? Oui, Tass avec une place vacante. Ah ben, ça s'arrange bien pour elle. C'est vrai que Anita Schuller est engagée? Par moi? Non. Non, non, c'est pas moi qui l'ai engagée, c'est mon beau-fils. Ah, tiens. Il faut que vous sachiez qu'il est sous-directeur. Oui, oui. Je sais à quoi vous songez, Derek, seulement... Parfois, il faut savoir accepter. Quoi? Que faut-il accepter? Que certains aient de meilleurs atouts que d'autres. Ah oui, je suis certain seulement. A-t-il de meilleurs atouts? Oh oui, ça m'en a tout l'air. Les crimes impunis, ça existe, alors pourquoi pas un de plus, cher ami? Ouh là là. Excusez-moi. Oui, j'écoute. Pour vous. Merci. Oui? On vient de me dire un truc, Stéphane. La grand-mère a été admise à l'hosto et elle voudrait faire une autre déposition. Merci, Harry. Je fonce à l'hôpital et je t'attends. Approchez, approchez. Je n'ai plus beaucoup de temps à perdre. Essayez de faire comprendre à ces policiers que j'ai tous mes esprits. Je ne suis pas encore morte. Je peux répondre aux questions. Oui, vous pouvez répondre. Et si vous avez besoin de moi, sonnez, s'il vous plaît. Vous avez entendu? J'ai tous mes esprits. Dans ce cas, ma déposition est recevable. Je voudrais faire des aveux. Vous m'avez entendu? Oui, j'ai compris. C'est moi qui ai tué New York. J'ai fait une erreur grossière. Ce n'était pas lui que je voulais tuer. Mais mon beau-fils. J'ai cru que c'était mon beau-fils et ma Martina qui sortait de cette maison. Mon beau-fils avait une liaison avec Martina. Il en était fou. Martina qui est sa belle-fille, quelle honte. Elle a grandi chez nous. Il ne voulait pas la laisser, bien que je lui ai demandé.
Plusieurs fois, j'ai dit à mon gendre de tout arrêter. Que c'était mal agir, que c'était trop malsain, que... Croyez-vous qu'il m'a écouté? Personne ne m'a jamais écouté. Et mardi, j'ai pris la décision de le punir. Et j'ai pris le pistolet, celui de mon beau-fils. Je le connaissais. Il y a des années qu'il se trouve dans ma table de nuit. J'ai pris un taxi, nous sommes allés à l'appartement tout de suite. J'ai attendu pendant plus d'une heure. J'ai eu la patience. J'ai attendu qu'il soit à la porte. J'ai tiré aussitôt. Je n'ai pas songé un instant que c'était Monsieur New York que j'avais tué. Je suis revenu ensuite, très lentement, jusque sur la grande place. J'ai pris un taxi, je suis rentré. Cela vous suffit-il? Où se trouve le revolver? Chez nous, sous mon matelas, vous l'y trouverez. Et vous, je vous le demande une nouvelle fois, où vous étiez durant ce temps? Chez nous. Et votre grand-mère, pas avec vous? Non. Et elle est revenue à quelle heure? 11h environ. Que t'ai-je dit? Tu as dit que tu venais de tuer Tass. Je vous redis maintenant que j'ai tous mes esprits. Et le docteur peut en attester. Cela suffit, sortez. Des aveux, ça, ce sont des aveux. Je n'en crois pas un traître mot. Oh, pas de panique, Harry. Le docteur a dit qu'elle ne quitterait la clinique que les pieds devant nous. Oui, mais Stéphane... Oui, oh, je sais ce que tu penses. On est en train de se foutre de nous. Cette vieille dame nous a tourné en ridicule d'une façon cynique et on ne peut rien y faire. Vous l'avez enfin, votre meurtrier? Non, je n'ai pas le meurtrier, seulement une déclaration. Vous cherchez qui? Vous. Et je suis tenace. Parce que je sais qui est le meurtrier. Ce que vous supposez, alors là, je m'en contrefous. Ça ne me regarde pas. Vous êtes obligé de vous contenter de ça. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Je resterai avec grand-mère pendant plusieurs jours. Oh oui, vous lui devez bien ça. Merde. Faites-vous ne pas sentir comme ça. Harry, nous pouvons y faire quelque chose. Si ça marchera ou pas, je ne sais pas. Seulement, je te garantis que je l'aurai. Que se passe-t-il encore? Monsieur Tass, on vient de nous arrêter. Pourquoi? Ça ne me regarde pas. Oui, monsieur. Vous désirez. Vous êtes arrêté. Vous plaisantez? Pas une seconde. Ne faites pas de difficultés. Je me gênerai. Je n'ai pas l'intention de vous suivre. Ne me forcez pas à vous faire coller les bracelets. Vous oseriez me coller les menottes? Oui. Vous êtes tous cinglés. Vous allez le payer cher. Bougez pas de là, surtout. M'avez-vous arrêté? Je veux voir mon avocat maintenant. Vous attendez un peu, votre tour va venir. T'es pas fou, tu es sûr? Non, non, au contraire. Vous voulez leur enlever les menottes? Alors, je vous laisse une dernière chance. Allez voir tout de suite votre patron et dites-lui que c'est lui que vous avez vu en sortant avec Noyox de la... Mais il y a déjà longtemps qu'on l'a... Ce n'est pas à vous que je parle. C'est à votre fille. Et Walter Tass, que va-t-il devenir? Je vous redis que je ne vous laisserai qu'une chance.
Ou voulez-vous que je vous colle en tôle pour faux témoignage? Anita n'a fait aucun faux témoignage. On doit la boucler. Anita ne sait rien. Elle a déjà dit qu'elle ne sait rien du tout. Mais pourquoi l'avez-vous arrêtée? Anita ne sait rien. Absolument rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous raconte? T'en prie, tu te tais. Ah oui. Tu l'as dans le dos, Stéphane. Tu sais qu'on ne peut pas le mettre en tôle. S'il ne parle pas, on doit le relâcher. Bon, écoute, c'est moi qui mène les opérations. Alors, vous avez réfléchi? Non, nous ne changerons pas d'idée. Bon, d'accord, comme vous voulez. Je proteste. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, vous protestez, c'est ça? De votre innocence, bravo. Harry, le rapport pour le juge d'instruction, 3 exemplaires. Ben voyons, gardien, voulez-vous lui ôter tout de suite ses menottes? Maintenant, je ne suis plus dangereux. Non, non, je ne crois pas. Cigarette, café, whisky? Bon, bon. Alors, rien. Merci, Harry. Pas de quoi. Fais-les entrer. Voulez-vous venir? Laissez-nous, messieurs, vous pouvez partir. Et vous, vous rentrez chez vous tranquillement. Walter. Sale petite ordure. Pourquoi tu ne la boucles pas? Tu n'es qu'une ordure! Tu n'es qu'une pute! Tu m'entends? Une putain! Fulcan, sans salope! Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Bien nous attendre. Entendu. C'est pas embêté là-dedans. Dans la cuisine, il y a une bouteille de champ et de verre. Dans l'un, il y a plein de rouge à lèvres. Un proxénète, il n'y a pas de doute.
L'homme qui gît sur la route est très certainement venu dans cette piole avec une fille. Oui, il faudrait trouver la fille, ensuite l'assassin, et le tour sera joué. Et alors? Rien. Vili, j'ai besoin de toutes les empreintes que vous trouverez ici. Vous avez le numéro du propriétaire de l'appartement? Eh oui, dans une poche. Tenez, voilà. Et où ça? Là, il est là, Tass. Quel genre d'homme c'est, ce Tass? C'est la grande classe. Ça veut dire quoi, ça, la grande classe? La haute société. En tout cas, j'ai eu cette impression. Il conduit une grosse bagnole, et puis aussi, il a le geste large. Oui, la rose. Oui. Oui, bonsoir. Je suis le principal des brigades criminelles. Monsieur Tass, s'il vous plaît. Brigade criminelle? Vous faites encore une blague? Non, ça n'a rien d'une blague, croyez-moi. Bon, un moment. Bertram, tu veux venir? Téléphone. Qui appelle au milieu de la nuit? Brigade criminelle. Oh, non. Oui, Tass. J'ai bien entendu ce qu'on m'a dit. Brigade criminelle? C'est bien ce qu'on vous a dit. Connaîtriez-vous M. Noyox, par hasard? Oui, c'est un de mes amis. Ah. M. Noyox s'est fait descendre en pleine rue il y a une heure à peine. Vous entendez? Oui, très bien, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a assassiné? Oui, il est mort. Il s'est fait assassiner en bas de l'appartement que vous possédez. Mais qui l'a assassiné? Ça, nous ne le savons pas encore. Noyox était chez vous, pas seul, avec quelqu'un, une fille sans doute. Il y avait une bouteille de champagne et on avait occupé le lit. Je suppose que vous voudriez venir me voir. Oui. Donnez-moi votre adresse, je vous prie. Oui, c'est entendu, je comprends. Oui, oui, bien. D'accord, merci. Vous nous attendez. Il s'agit du meurtre qui s'est produit il y a déjà 3 jours. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Oui, certainement. Vous êtes certaine de ne pas avoir oublié cette journée? C'était un mardi. C'est le jour où vous êtes venu nous rendre visite. Nous étions en pleine nuit et vous avez raconté qu'on venait d'assassiner quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est exact. Alors, si vous vous souvenez de cela, où Walter était-il? Tu savais où je me trouvais, grand-mère? Il a passé la soirée près de moi. Toute la soirée? Vous êtes sûr? Je voudrais me lever. Tiens, viens m'aider. Pourquoi veux-tu te lever? Reste tranquille. J'ai peut-être quelque chose à vous signer. Oui, parce que c'est important ce que vous allez dire. C'est pourquoi je le ferai formuler selon les règles et vous le signerai. Alors prenez votre temps. Je vous laisse le loisir de bien réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Posez donc vos questions. Oh. Ce n'est pas un jour près, je peux attendre. Merci. Vous êtes gentil. Je ne suis pas bien malade. Il faut m'interroger tout de suite. Interrogez-moi. Ah, vous êtes là. Je vous ai dérangé. Alors, qu'est-ce que la vieille dame vous a raconté de beau? Des tas de choses, et elle vient de tout signer. Elle est étonnante, cette chère vieille dame. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de bon rapport avec elle? Pas très, non. Car elle me prend pour un monstre qui ne cherche qu'à séduire tout ce qui l'entoure. Ah, dites-moi, est-ce qu'il y a longtemps qu'elle est malade? Oh, il y a déjà quelques jours. Et ses rapports avec son petit-fils sont... Oh, ils sont super. Ah, super. Inspecteur, vous l'avez prise au sérieux, cette déposition? Non, pas très au sérieux. Seulement, c'est écrit maintenant, et on ne peut rien changer. Je n'ai jamais eu cette intention. Et la mienne? On n'y changera rien. Vous savez que cela ne vous conduira à rien. Tu oublies Anita Schuller. Où elle a vu l'assassin, où elle a vu le pistolet qu'il tenait avec lequel il a tiré. Tu supposes qu'elle nous le dira? Elle a le beau rôle, tu sais. On est dans le pétrin. J'ai mon temps. Ah,
Monsieur Schuller. Monsieur l'inspecteur, comment allez-vous? Très bien, vous avez un nouveau boulot? Oui, je viens d'être engagé. C'est bien ça, qui vous a engagé? C'est As, parce qu'il a besoin d'un chauffeur. Ah. Il sait que j'en suis un bon, qu'on peut aussi me faire confiance. Votre fille est en congé de maladie, hein? Oui, elle s'est fait porter malade. C'était par là. Si on allait voir. Ouais. Non, reste là. Il faut voir ce que c'est. Appelez la police. Oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Harry. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Que s'est-il passé? Trois coups. Il venait de la maison. Il s'est fait descendre par un type qui était de l'autre côté. Quelqu'un a entendu quelque chose? Oui, deux messieurs. Le taxi était arrêté environ 50 mètres plus loin quand on a tiré. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous avons entendu les coups de feu et nous avons couru jusqu'ici. L'homme était déjà à terre. Ouais. Mort. Merci. De rien. Qui est cet homme? Alfred Noyox, âgé de 52 ans. Il habite la maison? Non. Je viens de voir le concierge, il ignore qui c'est. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Tiens, voilà ses papiers. Carte d'identité, une note de restaurant et un peu de fric, 800 marques. Et ça, ce sont probablement ses clés. D'accord, passe-moi le trousseau. Oui. J'ai bien regardé le cadavre, parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Seulement le bonhomme, je l'ai jamais vu. Pourtant, il venait de chez vous. Oui. Vous avez entendu les coups de feu? Et peu avant l'ascenseur? Et aussi la porte que j'ai entendue. J'habite là, dans le sous-sol, c'est le logement du concierge. Regardez bien ce trousseau, le connaissez-vous? Ah oui. C'est celui qu'on utilise au premier, c'est le même genre de clé pour tout le monde. Alors, il ne reste plus qu'à trouver la porte correspondante, vous venez? Ah oui, bien sûr. Merci. Après toi. Aujourd'hui. Je crois que c'est celui-là. Mais il n'y a pas de plaque? Qui habite ici? Un certain monsieur Tass. Ce n'est qu'un pied-à-terre et il est rarement là. Oh. Vous voulez bien nous attendre? Entendu. C'est pas embêté là-dedans. Dans la cuisine, il y a une bouteille de champ et de verre. Dans l'un, il y a plein de rouge à lèvres. Un proxénète, il n'y a pas de doute. L'homme qui gît sur la route est très certainement venu dans cette piole avec une fille. Oui, il faudrait trouver la fille, ensuite l'assassin, et le tour sera joué. Et alors? Rien. Vili, j'ai besoin de toutes les empreintes que vous trouverez ici. Mademoiselle Schuller. Au bureau à droite. Vous êtes gentil. Mademoiselle Schuller. Oui. Vous venez d'avoir Mme Noyox au téléphone, hein? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous voulait? Me dire que deux messieurs de la police pouvaient venir me voir. Vous êtes des policiers? Oui. Étiez-vous hier avec votre patron à la Malvinstrasse? Oui. Oui. Je vois ce que vous voulez. Mais je n'ai rien pu faire. J'ai entendu tirer. Je n'ai pas réalisé. On a encore tiré. Un coup encore. Alors, j'ai eu la frousse. Je l'ai vu par terre. J'ai essayé de lui venir en aide. Il a crié. Il faut t'enfuir, va-t'en. Alors, c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu quoi? Qui avez-vous vu? Rien, personne, je vous jure. Et ensuite, vous avez fui. Où êtes-vous allé? Vous ne vous êtes pas retourné? Non. Parce que j'avais la trouille. Je me suis enfuie et puis j'ai foncé sans regarder. Et je n'ai plus pensé qu'à ne plus m'arrêter. Comment êtes-vous rentré chez vous? J'ai pris un taxi, je suis revenue. Et Monsieur Noyox, vous ne vous en êtes plus occupé?
J'ai demandé au chauffeur de taxi de suivre la Malvinstrasse, mais c'était trop tard. Il y avait déjà des barrages. Vous saviez que New York était mort? Non. C'est ce matin que j'ai appris sa mort. J'insiste encore une fois. Que voulait Madame New York? Ben, elle... Elle a dit... que la police venait de sortir de chez elle et... et qu'elle savait ce qui... ce qu'il y avait entre moi et son mari. Bon, après? Mais après quoi? Elle voulait en savoir davantage, je suppose, non? Oui, elle a demandé si j'avais aperçu l'homme qui a tiré sur son mari. J'ai dit que non. C'est exact. Je sais pas qui c'était. Qu'est-ce qu'on dit, toi? J'allais apprendre que tu étais la maîtresse du patron. Voyons, Schuller. Je viens de l'entendre dire. En arrivant à la baraque, Madame Neuhox me l'a raconté. Tout d'abord, je n'arrivais pas à le croire. Sale putain, tu devais avoir honte de toi. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Tous les soirs, il demandait le courrier et il disait « Je vais vous raccompagner ». Vous êtes des policiers? Oui. Étiez-vous hier avec votre patron à la Malvinstrasse? Oui. Oui, oui. Je vois ce que vous voulez. Mais je n'ai rien pu faire. J'ai entendu tirer. Je n'ai pas réalisé. On a encore tiré. Un coup encore. Alors, j'ai eu la frousse. Je l'ai vu par terre. J'ai essayé de lui venir en aide. Il a crié, il faut t'enfuir, va-t'en. Alors, c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu quoi? Qui avez-vous vu? Rien, personne, je vous jure. Et ensuite, vous avez fui. Où êtes-vous allé? Vous ne vous êtes pas retourné? Non, parce que j'avais la trouille. Je me suis enfuie et puis j'ai foncé sans regarder. Je n'ai plus pensé qu'à ne plus m'arrêter. Comment êtes-vous rentré chez vous? J'ai pris un taxi, je suis revenue. Et Monsieur Neuhox, vous ne vous en êtes plus occupé? J'ai demandé au chauffeur de taxi de suivre la Malvinstrasse, mais c'était trop tard. Il y avait déjà des barrages. Vous saviez que Neuhox était mort? Non. C'est ce matin que j'ai appris sa mort. J'insiste encore une fois. Que voulait Madame Neuhox? Ben, elle a dit que la police venait de sortir de chez elle et qu'elle savait ce qu'il y avait entre moi et son mari. Bon, après? Mais après quoi? Elle voulait en savoir davantage, je suppose, non? Oui, elle a demandé si j'avais aperçu l'homme qui a tiré sur son mari. J'ai dit que non. C'est exact. Je sais pas qui c'était. Qu'est-ce qu'on dit, toi? J'allais apprendre que tu étais la maîtresse du patron. Voyons, Schuller. Je viens de l'entendre dire. En arrivant à la baraque, Madame Neuhox me l'a raconté. Tout d'abord, je n'arrivais pas à le croire. Sale putain, tu devais avoir honte de toi. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Tous les soirs, il demandait le courrier et il disait « Je vais vous raccompagner », que ça lui ferait un plaisir immense. Oh, en fin de compte, j'ai eu pitié de lui. J'ai fini par lui dire « Ok, où allons-nous ? » Il m'a dit qu'on verrait une fois en route. Eh oui, oui. Et voilà. C'était un monsieur qui savait attirer la pitié. As-tu aperçu quelqu'un? Est-ce que tu sais qui a... Oui, je leur en avais parlé. Ainsi que des goûts de notre ami. Ce furent les objets de la discussion. Où a-t-on tué notre ami? Devant la maison, quand il est sorti. Qui l'a descendu? On ne le sait pas. Des témoins? Aucun. Il avait pourtant emmené une petite fille, sans doute. Elle est quelque part. Nous n'avons encore trouvé personne. Elle a pu s'enfuir après le choc. Après le choc? Je réalise avec aisance le choc que ça peut produire. Et pas de traces de la fille? Pas pour l'instant, mais on va trouver.
L'assassin sera découvert, j'espère. Bien sûr, nous l'espérons tous. Bien, nous devons vous laisser, navré de vous avoir ennuyé au milieu de la nuit. Bonsoir. Cette petite et ce garçon ne sont pas vos enfants? Non, j'ai épousé leur mère quand ils étaient encore petits tous les deux. Et votre femme? Elle est morte il y a 4 ans. Oh. Ah oui. Vous laissez l'appartement de la Malvinstrasse libre de toute occupation? Bien sûr. Ce logement, à quoi est-ce qu'il vous sert? Aux rentabilités, c'est tout. De la visite à une heure pareille? Ma belle-mère, ces messieurs s'en allaient. Nous t'avons dérangé. Tu veux me présenter à ces messieurs? Ils sont de la brigade criminelle. Inspecteur Klein, je m'appelle Derek. Que vient faire la brigade criminelle chez nous? New York a été assassiné. Dans la Malvinstrasse. New York? Dans la Malvinstrasse? Emmène ta grand-mère dans sa chambre tout de suite. Je ne veux pas aller dans ma chambre maintenant. Que s'est-il passé, Malvinstrasse? Il a prêté l'appartement à New York, à un ami très cher qui travaille avec lui. Je demande ce qui est arrivé à l'appartement. Maman. J'ai compris. Emmène-moi dans ma chambre, Walter. Très énergique, cette dame. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Elle est très gentille. Est-ce que la famille de New York a été avertie? Non, non, nous allons le faire. Sale fin de journée pour certains d'entre nous. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame Noyox, s'il vous plaît. Je crois que madame est déjà... Nous laisse à penser que votre mari ne se rendait pas seul à l'appartement. Et pourquoi? Parce que... Et c'est devant la maison qu'on l'a abattu. Oui. 3 coups de feu en pleine poitrine qui venaient d'une des maisons se trouvant en face. Et la fille? Disparue. Le tir ne concernait que votre mari. Cela pourrait nous aider de savoir qui est cette fille. Vous la connaissez? Excusez ma question. Au contraire, je savais que mon mari me trompait à tous les coins de rue. Jamais il n'a pu s'empêcher de ramasser une femme qui passait à sa portée. Ça m'était égal. Les petites de son bureau lui passaient entre les bras. J'étais toujours au courant, mais ne pensais pas que j'étais constamment à l'affût pour prendre cet homme en flagrant délit et savoir où cela se passait. Dans l'appartement de Tass. J'aurais dû m'en douter. Tass était complice. Ce n'a rien de surprenant. Les hommes s'entendent entre eux quand il s'agit de tromper. L'endroit lui a été fatal. Mon mari s'est fait assassiner au cours d'une partie de jambes en l'air avec une pute de rencontre. Assassiné au milieu de la rue. Seigneur Dieu. Quelle triste. J'en conclus que vous ne connaissez pas la personne avec qui votre mari était cette nuit. Non. Où étiez-vous aux environs de 10h du soir? Où est-ce que j'étais? Aux environs de 10h? Oui. Je m'attendais à cette question. Je ne m'étonne pas de vous. Monsieur Venk. Oui. Venez par ici. Ces messieurs veulent savoir où je me trouvais cette nuit vers 22h. Dites-leur donc. Madame se trouvait chez elle. J'ai servi le repas très tôt. Parce que mon mari devait dîner avec moi. Je me suis décidée à manger sans lui quand j'ai réalisé qu'il n'était plus nécessaire de l'attendre toute la nuit. On peut se rendre compte que cette femme, c'est de la glace. Un véritable iceberg. Que penses-tu de son alibi? Il me paraît assez léger. Moi aussi. Que fait-on maintenant?
J'aimerais discuter avec le chauffeur. Stéphane, tu sais qu'il est une heure. Voyons, les braves n'ont pas d'heure. Eh bon, allez, on va dire. Très bien. Pardon de vous déranger, police criminelle. Je vous en prie, c'est à propos de New York. Quoi dites-vous ça? Mais devait... Elle prend son temps. Laisse donc un peu de temps à une femme qui vient d'apprendre que son mari est mort. Oui, ce silence, et on attend depuis 10 minutes. Mon mari est mort. Oui. En plein milieu de la rue, on m'a dit. Désolé d'être porteur d'une mauvaise nouvelle à une heure aussi tardive. Messieurs. Où a-t-on assassiné mon mari? Devant une maison de la Marienstrasse. Dans cette maison, il y a un appartement dont votre mari avait les clés. De quel appartement s'agit-il? Il appartient à Monsieur Tass. Tass. Vous le connaissez? Je connais ce nom, bien sûr. C'est un ami de mon mari. Monsieur Tass, si je comprends bien, a donné ses clés à mon mari. Oui. Et mon mari a dû se servir de ses clés. Mais oui, il a occupé les lieux. Cela s'est souvent produit? Oui, apparemment. Et cet appartement, vous l'avez fouillé? C'est exact, oui. Vous avez trouvé quelque chose? Des empreintes nous laissent à penser que votre mari ne se rendait pas seul à l'appartement. Et pourquoi? Parce que... Et c'est devant la maison qu'on l'a abattu? Oui. 3 coups de feu en pleine poitrine qui venaient d'une des maisons se trouvant en face. Et la fille? Disparue. Le tir ne concernait que votre mari. Cela pourrait nous aider de savoir qui est cette fille. Vous la connaissez? Excusez ma question. Au contraire. Je savais que mon mari me trompait à tous les coins de rue. Jamais il n'a pu s'empêcher de ramasser une femme qui passait à sa portée. Ça m'était égal. Les petites de son bureau lui passaient entre les bras. J'étais toujours au courant, mais ne pensais pas que j'étais constamment à l'affût pour prendre cet homme en flagrant délit et savoir où cela se passait. Dans l'appartement de Tass, j'aurais dû m'en douter. Tass était complice. Ce n'est rien de surprenant. Les hommes s'entendent entre eux quand il s'agit de tromper. L'endroit lui a été fatal. Mon mari s'est fait assassiner au cours d'une partie de jambes en l'air avec une pute de rencontre. Assassiné au milieu de la rue. Oui. Donnez-moi votre adresse, je vous prie. Oui, c'est entendu, je comprends. Oui, bien. D'accord, merci. Vous nous attendez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tass, monsieur l'inspecteur. Enchanté. Cette histoire m'a retourné. C'est longtemps après votre appel que j'ai pu enfin comprendre ce qu'il y avait. Noyox mort. Oui, il est mort, oui. Par ici, monsieur. Ces messieurs de la police. Ma belle-fille, Martina. Mes hommages. Bonsoir, monsieur. Je viens de lui dire que Noyox est mort. Elle aussi le connaissait. Ah. Vous buvez quelque chose? Non, merci. Ah, mais vous êtes en service, c'est pour ça. On évite la corruption. Eh oui, c'est bien ça. Venez. Merci. Oui, Noyox était un excellent ami. À un point tel que je n'ai pas hésité à mettre l'appartement à sa disposition quand il me l'a demandé. C'est un service qu'il m'était impossible de lui refuser. Pouvez-vous nous dire qui il était? Bien entendu. Il faut d'abord serrer les choses. Noyox achète et vend des produits industriels. C'est un commerçant. J'ai pu apprendre à le connaître au club industriel. C'est un homme très sympathique. Marié, sans doute? Oh, vous savez, Noyox était un de ces hommes mariés de longue date, mais pour qui cela importait peu.
Oui, je saisis. Oui. Oh, je connaissais sa femme aussi. Je dois avouer que plusieurs fois, je l'ai vue en compagnie de jeunes filles. C'était une de ses passions. Même parfois, il m'a demandé les clés de chez moi. Aujourd'hui encore? Oui, c'est vrai, cet après-midi. C'est son chauffeur qui est venu me voir et il a pris les clés de mon appartement. Vous connaissez la dame avec laquelle il a passé l'après-midi? Non. Mais cette dame devait être quelqu'un de fort correct. Il n'était pas du genre maniaque. Quant à son identité, je n'en ai aucune idée. Il ne me parlait pas de ses relations. Vous avez parlé du chauffeur de Noyox? Oui, un nommé Schuller. Ce garçon peut en savoir plus? Peut-être. Qui sait? Schuller, je crois, est depuis longtemps chez lui. C'est une sorte de majordome. Demandez-lui. Seulement, je vous parie qu'il ne sait rien. Noyox a pris sa voiture en personne. C'est ce qu'il faisait en pareil cas. Mmh. Quelle fin assez... assez sordide que ce bon Noyox a trouvé là. Je dérange? Non, pas du tout. Entre. Tu peux entrer. Je peux encore faire une proposition. Oh, bien sûr. Je vous conseille les spécialités. Ils ont d'excellents homards, le caviar. Ah, oh, le caviar, j'adore. Vous avez un excellent goût. Alors, je ne vous avais pas menti. Ah non, c'est parfait en tout. Et le vin? Ah oui, lui aussi est étonnant. Dites-moi, Schuller est chez vous maintenant? Schuller, oui. C'est un de nos chauffeurs. Il n'avait plus d'emploi et je l'ai pris. Je crois que le rôle important est tenu par sa fille. Allez-vous l'engager à son tour? Si nous en avons l'utilité. Peut-être bien. Mes magasins ont besoin de gens. Elle aurait un travail pas trop fatigant. Mmh. Alors, vous pensez l'engager? Oui. Vous êtes contre cette idée? Je trouve ça très, très généreux. C'est un péché mignon auquel je tiens. J'ai beaucoup de respect pour le travail des policiers. Ils m'étonnent à chaque fois. M'étonnent et m'intéressent surtout. Oui, cela se conçoit. C'est par sa psychologie qu'il m'intéresse beaucoup. Oui, c'est le côté intéressant. Passionnant. Voyons, pourquoi Noyox était-il constamment à la recherche de... Oui. Que recherchait-il sans arrêt? Il voulait, en fin de compte, satisfaire un désir qui était tout simplement physique. Il s'est fait abattre pour ça. On l'a tué à cause de ses sentiments pour une jeune fille. Pourquoi les forcenés ont-ils la fâcheuse tendance à se débarrasser de leurs problèmes à coups de revolver? J'adore cette formule, les forcenés. Vous prenez les choses au pied de la lettre, mon cher. J'ignore si votre meurtrier était un forcené. Seulement, je suis sûr que c'était un insensé. Est-ce que Madame Noyox a pu tuer son époux? Vous savez, rien ne m'étonnerait de nos jours. Tout le monde est capable de tuer. Il faut que nous le comprenions et l'admettions. Vous croyez que j'ai tort? Il y a matière à réfléchir. Non, je suppose que Madame Noyox ne l'a pas assassiné. Voilà, je pense qu'il est grand temps pour moi de vous remercier pour cet excellent repas et pour le reste. Je vais repartir à mon bureau. Oui, mais finissez tranquillement votre café. Oui, bien entendu. Vous espériez peut-être plus de notre conversation. Dois-je vous parler en toute franchise? Je vous en prie. J'ai le sentiment que, d'une certaine façon, vous êtes mêlé au meurtre de M. Noyox. Est-ce que vous me soupçonnez d'être le meurtrier? Ah non, je n'ai jamais dit une telle chose. J'ai seulement dit que j'ai l'impression que, de loin ou de près, vous êtes mêlé à cette histoire et rien d'autre. J'ai loupé le meurtre. J'étais pas ici. J'ai tout raté. Vraiment pas de chance. Dieu soit loué, vous avez retenu ce qui m'intéresse. Par là. Merci. Je me suis trouvé avec eux dans l'ascenseur. Un homme et une jeune fille. Ils sortaient de chez Tass quand je sortais de chez moi. Ils marchaient devant moi, disons, à moins de 40 ou 50 centimètres. Quand je vois quelqu'un, ça devient presque de l'instinct, une sorte de réflexe. Je le peins.
en moi. Et après, je ne l'oublie pas. Tenez, regardez. C'est étonnant. On dirait une vraie photographie. Oui, c'est mieux. Dites donc, on pourrait avoir ce portrait. C'est un cadeau. Il faut le mettre au muséum de la police comme preuve matérielle de votre histoire. Vous me promettez de le faire? Est-ce qu'en plus, vous connaîtriez Tass? Oui, très bien. Non seulement parce qu'il habite ici, mais j'ai travaillé pour lui. J'ai fait plusieurs toiles. Vous avez peint des toiles d'une jeune personne? Oui, une jeune personne, une belle personne. Et sauriez-vous par hasard le nom de cette personne? Est-ce que ce serait Martina? Oui. Vous connaissez cette petite? Oui, oui, oui. Je crois qu'il s'agit de sa belle-fille. Non. Je pense que j'ai fait le portrait d'une de ses maîtresses. Si je n'avais pas remarqué ça au premier coup d'œil, je ne serais pas peintre. Non, je sais voir ce qui se passe entre les gens. En conséquence, vous pouvez me dire peut-être qui est Tass? Oh, c'est un monsieur qui a un sang-froid étonnant. Un monsieur qui ne laisse rien transpirer de ce qu'il ressent. Quelqu'un qui n'a peur de rien, pas même du sang. Un monsieur sans morale. Je crois que vous avez le doigt dessus. Nous voudrions parler de nouveau à Madame New York. Madame New York. Madame New York ne se sent pas très bien. Ce que je comprends parfaitement, croyez-le. J'ai failli appeler un docteur. L'avez-vous fait? Non. Non. Elle ne voulait pas. Elle a dit qu'elle devait tenir le coup. Bonjour. Bonjour, Madame New York. Bonjour, madame. Ne bougez pas, Venk. Que puis-je faire pour vous? Nous savons qui est la fille. Nous avons obtenu son portrait. Connaissez-vous cette jeune fille? Oui. Oui, c'est Anita Schuller. La fille de notre... du chauffeur de mon mari. En êtes-vous sûre? Écoutez, je la connais. Nous la connaissions depuis des années. Je crois que le meurtrier, ce n'était pas New York ce qu'il visait, mais c'était vous. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, ça paraît impossible. Le restaurant, ça m'a sauté aux yeux en vous voyant partir. Votre idée n'est pas ridicule. Vous avez peut-être raison. Mais qui est le meurtrier? Votre beau-fils, Walter. Il a de bonnes raisons de ne pas tolérer vos relations. C'est impossible. Il sait très bien que Martina fait ce qu'elle veut et que je ne cherchais pas à la séduire. Je sais que je n'aurais pas pu. Parce que cette gosse fait ce qu'elle veut et qu'elle assume tout ce qu'elle fait. Vous permettez? Vous en avez parlé avec Walter? Oui, très souvent. Et pourquoi? Je trouvais ça normal. Un jour, il s'est jeté sur moi fou de colère. Ce n'est pas une raison suffisante pour me tuer. Où est-il? Il est au premier étage avec Martina. Ils sont auprès de leur grand-mère. Elle est souffrante. J'ai fait venir le médecin. Et pourquoi n'y êtes-vous pas? Vous savez, mes relations avec cette vieille dame ont toujours été plutôt tendues. Si vous alliez chercher Walter. Comme vous voulez. Bonjour. Vous voulez me parler? Oui, et je veux vous poser une question. Avez-vous assassiné New York? Vous déraisonnez. Oubliez-vous que c'était un ami? Vous plaisantez, j'espère. Oui ou non, j'écoute. Non, bien sûr, c'est absurde. Où vous étiez au moment où M. New York s'est fait tuer? J'étais chez nous. J'espère qu'il y a eu un témoin. Il y a un témoin, ma grand-mère. Allez lui demander. Questionnez-la, elle pourra vous répondre. Vous montez la voix? Je crois que nous allons beaucoup trop loin. Qu'est-ce que tu entends par là? Je crois qu'on ne doit pas aller l'ennuyer. Elle va assez bien pour faire une déposition. Car c'est bien ce que vous voulez. Mmh. Ça va vous faire rengainer vos imbécilités. Montez.
Sortons de la chambre. Ceci ne nous concerne pas. Ma grand-mère est assez souffrante. Ne la fatiguez pas trop. Bonsoir, Madame Anders. Bonsoir. Êtes-vous en état de répondre? Oui. Je vous écoute. Honte que cette femme, c'est de la glace. Un véritable iceberg. Que penses-tu de son alibi? Il me paraît assez léger. Moi aussi. Que fait-on maintenant? J'aimerais discuter avec le chauffeur. Stéphane, tu sais qu'il est 1 heure. Voyons, les braves n'ont pas d'heure. Eh bon, allez, en voiture. Très bien. Pardon de vous déranger, police criminelle. Je vous en prie, c'est à propos de New York. Quoi dites-vous ça? Mais il devait venir me ramener la voiture quand il aurait fini. Il y a des heures que je l'attends. Voyons, pourquoi est-ce que vous vous paniquez de la sorte? Mais racontez-moi d'abord ce qu'il y a. Mais restez pas là. Mais c'est pas vrai votre histoire. C'est impossible. Vous ne savez pas qui elle est? Non, je ne sais pas. Le patron ne me racontait pas tout ce qu'il faisait. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait comme il faisait toujours. Il a dit, Schuller, ce soir, je prends la voiture. Vous avez vu Madame Noyux? Oui, nous l'avons vue. Et elle a réagi comment? Avec sang-froid. Donc vous ignorez avec quelle femme Noyux, hier, devait passer la nuit. Êtes-vous sûr de ne pas le savoir? Monsieur Schuller, vous savez que vous êtes un de nos témoins. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Et vous ne savez toujours pas qui cette femme pouvait être? Je suis pas au courant, New York ne me racontait rien. Dans mon métier, il y a intérêt à se boucher les yeux. Moins on en sait, mieux ça vaut. Je sais pas grand-chose, seulement ça, je le sais. Ça vous contente? Oui, ça nous contente. Alors, un petit moment, je vous pose une question, Schuller. Connaissez-vous Tass? Oui, lui et monsieur étaient potes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Tass? Oh, encore un drôle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore un drôle? Un drôle de mec. Je suppose que vous voulez dire cavaleur. Oui, sauf qu'il est bien plus malin. Lui, il a la petite à domicile. À domicile, vous dites? Vous parlez de Martina? Elle serait avec Tass? C'est bien ce que vous pensez? J'ai pas dit ça. En fait, je suis pas un mouchard. Je fais le boulot qu'on me demande de faire, c'est tout. On va me coller à la rue parce que mon patron est mort et mon boulot est en jeu. Je veux tout de suite savoir si vous parlez de la fille qui se trouve chez Tass. Vous parlez de Martina? Oui. Bon, entendu, on arrive tout de suite. C'est un appel d'un des propriétaires. Il dit qu'il n'a appris que ce matin ce qu'il y a eu. Et alors? Tu devrais t'asseoir. Il a vu Noyox et la petite Stéphane. Et il dit qu'il peut faire une description. Et alors? Je ne crois pas que ça puisse être. Ce monsieur fait des portraits. Répète-moi ça. Il fait des portraits. Il nous attend. Il a tout mis sur le papier. Dites-moi que j'arrête.